Salut tout le monde, aujourd'hui lundi 29 juillet. Bon, vous pouvez voir, la mer est très lisse. Par contre, il y a de la houle. On croirait pas, mais ça indique 0,7. Le houlographe au large de 7 indique déjà 0,6. Mais houle très lente, donc ça devrait être navigable. J'ai l'impression que j'ai du brouillard au fond. Bah, je vais voir ce que je vais faire. Je vais tourner, je vais essayer de voir encore une fois s'il y a de l'activité de surface. C'est sûrement ma dernière sortie avant fin août. Je suis en congé là 3 semaines, donc il n'y aura pas de... Ouais, c'est contradictoire, mais il n'y aura pas de pêche pour ma part. Et je reviendrai en pleine forme pour pêcher à partir de fin août jusqu'à tout septembre, tout octobre, tout novembre. Chaque fois qu'il y aura une belle journée, une belle opportunité, c'est la période forte en plus des pélagiques, donc ça devrait vraiment être top et j'y ferai les sorties abonnées du coup à ce moment-là. Vous êtes quelques-uns à m'avoir dit la dernière fois quand j'ai fait, je vous ai montré que j'ai rien fait, 3 macros, là j'ai fait bredouille en fait quasiment. Incroyable que tu fasses bredouille, c'est vraiment qu'il n'y a rien si tu n'as pas réussi à faire un poisson en mer. En fait, il faut savoir que quand je dis bredouille, c'est bredouille sur l'espèce que je ciblais. Je cherchais les bonites, les premières, pourquoi pas de la coryphène, pourquoi pas du petit thon. Je les ai pas trouvées, donc dans ces cas-là, c'est où on trouve les poissons, où on est bredouille. Hein. Si j'avais été gratter le plateau, il y a les gascons, il y a les pajots, il y a les pagres, il y a les macros en insistant des heures, forcément on finit par faire les 10-15 macros. Il n'y a pas de souci, hein. C'est bredouille sur la pêche ciblée ce jour-là. Bon, vous allez le voir, j'ai mon haut là anti-UV absolument pourri. Normalement j'ai mon nouveau de cette année, là, Le Pen, mais je l'ai tellement mis qu'il y a eu le lavage. Et j'ai sorti celui de l'année dernière, donc pour dépanner, il est bien entendu hors de question de se cramer les bras et de se bouffer le capital santé bêtement. Tiens, regardez là, ça crépite, mais voilà, non. C'est rien que je vous montre, c'est impossible à voir. Impossible. Allez, c'est reparti. J'ai trouvé quelque chose. Il se peut que ce soit des petites bonites. Ça m'a pas l'air très gros, mais c'est pas du thon, c'est sûr. Ah, si ça pouvait le refaire, je coupe le moteur. Ah, c'est devant, c'est là-bas. Et j'ai coupé le moteur, je devrais pouvoir y faire un lancer dedans. Allez, vite. Première chasse de bonite de l'année, je pense pas que ce soit du macro à cette distance. Allez, celui-là on se le fait. Voilà, c'est juste devant. La caméra est allumée, elle tourne. Je suis un poil court. Allez, j'ai un jig et j'ai une bonite qui chasse toute seule. J'ai l'impression, alors elles sont peut-être plusieurs, mais c'est très subtil. Regardez, c'est devant là, il y a des remous là-bas. Allez, si je tombe dedans, je suis sur mon super surgère en petite verre. Oh, je suis juste derrière. Si elle tourne toujours dans la chasse, elles peuvent prendre. Allez. J'ai coupé le moteur. J'espère pouvoir y lancer. Allez, tombe dedans. Peut-être 2 mètres devant. Il peut y en avoir autour du banc. Non, c'est pas grave, je ramène, je refais un lancer. Vite. Oh, c'est magnifique. Puis c'est ma nouvelle canne que je vais tester, je vous en parlerai après. Allez, faut pas que ça s'arrête. Je pense que je suis dedans, là. Ouais, j'y suis. On va y aller tranquille. Allez. Non, prenez. Allez, j'ai une petite chasse là-bas. Si je tombe dedans, je sais pas si c'est des bonites ou des petits thons. Ça a pris. J'ai le poisson. Il y est. Oh, à la surface, je l'ai vu sauter là-bas. Décroché ? Ou il revient à fond ? Non. Oh, punaise. Ah ouais, c'est pas possible, c'est un petit thon. Qu'est-ce qu'il me met? Je vais reprendre un peu de fil comme ça. Hein. Oh là là. Allez. Il me montre qui est le patron. Mais je me suis permis de pêcher avec cette canne.
parce que les poissons sont pas énormes, sinon j'arrive pas à les lancer assez loin, des petites gigues. Là il revient vers moi, hein. C'est pour ça qu'on croyait pas que c'est qu'il y ait plus. Eh, on arrête le bateau. Oh non, il est décroché ? Je crois que c'est décroché. Non. Allez. On veut le voir, hein. Le frein fait son taf, hein, c'est le but. Ça n'est pas comme des bourrins. Le poisson ne peut pas s'accrocher en mer. Hein. Et j'ai pas envie que ça casse. Ah, je pense que c'est un petit thon. La chasse reprend juste derrière moi. Je passerai sur la plus grosse canne après. Désolé si vous voyez pas au top avec mon bras, mais je suis obligé d'aider la canne un peu. Vous imaginez pas comme la canne est tendue. Et Queen, elle a mal. Oh, je le vois. Qu'est-ce que c'est? C'est un thon, je pense. Je l'ai vu. Oh, sur cette petite canne. Ouais, il est là. Bah, c'est pas un petit que j'ai eu dans l'eau. Pas un comme je voulais. Hein. Il arrive, je pense qu'il a 10 mètres sous le bateau. Et ça, c'est pas aussi facile à attraper du 40 centièmes. Pas aussi facile. Pas de dernier rush, s'il te plaît. S'il te plaît. Aïe aïe aïe. C'est pas visible. La bonne nouvelle, c'est qu'il est piqué au bord. Donc, ça frotte beaucoup moins. Mais ça reste du 40 centièmes. Allez, sors la gueule, sors la gueule. Voilà. Non, non, sans qu'il pas le bateau. Le bateau. Mais là, on est vers la fin, hein. Ça tient à rien, là. Voilà, c'est peut-être bon. Si je chope le fluoro, c'est l'angle de la canne. Vous le savez, qui peut être terrible. Allez, viens. Voilà. Là, j'ai l'angle. Première étape, j'ai mon fluoro. On me demande souvent, bien sûr, vous entendez, je desserre le frein. Je chope la pince et je le sécurise. Voilà comment ça se passe seul. Voilà. Allez. Ok. Allez, on se regarde la relâche ensemble. Ça tourne toujours. Ouais. Oh, bah oui, c'est décroché. Il se tourne toujours. Hop, à l'endroit. Et boum. Un petit coup de queue, il repart à fond. C'est épuisant. Sachez qu'il fait aussi 36 hein, à l'ombre. Hein. Donc là, je suis sur l'eau. Regardez avec quoi je l'ai fait. La tresse. Ah, il a touché, ouais, il a frotté là. C'est bon à changer, mais le 40 centième a tenu, heureusement. Et le petit jig, voilà, tout petit. Regardez la taille qu'il fait, il fait la taille de mon pouce, quoi. Il est... Donc, normalement, c'est des simples hein, dessus. Il faudrait que je trouve un deuxième simple pour ça, pour mettre au cul. Bon, je vais tourner encore un petit peu en espérant retrouver une chasse. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'oiseau. Hein. Il n'y a pas d'oiseau. C'est très, très, très dur de voir une chasse.
je profite en fait là-bas de mon expérience en mer là, pour arriver à les trouver, suivre les bons oiseaux quand j'en vois un, qui ne se posent même pas, qui n'ont que passer. Je me mets sur zone après et je fais au bruit. Cette chasse, je l'ai eu au son tellement c'est subtil, ça retombe très très vite. Gros départ en scène. Merde, c'est l'artiste avec trois ravelous chercher les bonites, il n'y a plus d'activité depuis tout à l'heure. Et j'ai... Oh, j'ai vu sauter, c'est un espadon, je crois. Je crois que c'est un espadon. J'ai vu sauter en surface. Pourvu que ça casse pas. Ah ouais, non, je connais pas du tout ce combat. Des coups comme ça, je connais pas. Putain, oh, il a sauté là-bas. Ouh, c'est un lancier. Vous le voyez au fond? Non, faut que je remette ça vers le bas. Putain, il me déroule, faut que je le suive. Il saute à fond. C'est tout au fond là-bas que ça se passe. Merde, 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 merde. Pas qu'il me vide, pas qu'il me vide. Hors de question que je perde tout. Voilà. Si ça doit se faire, c'est tout au fond là-bas. S'il se décroche, il se décroche. Je veux pas que ça casse. Je crois que ça sera un combat moins gros que le thon, normalement. Je connais pas trop, c'est mon premier. Masse de la batterie, 40%. Là, il m'a bien déroulé. C'est tout au fond. Ah, je vais récupérer au moteur un peu. En mouvement bien, qui est la pression. Ah, j'ai l'attention, je vais un peu vite. Je suis obligé, il m'a trop sorti là, je veux pas qu'il casse. Ouh. Le départ qu'il m'a fait, j'étais pas prêt. Je vais incliner un peu la caméra, j'espère qu'elle n'est pas trop. Ça se passe devant, à une vingtaine de mètres. Oh, bien, vous l'avez vu? Je pense que vous l'avez vu si j'ai pas mis la main devant. Oh, je crois qu'il s'est redécroché et piqué sur le dessus. Je vais le mettre dans le bateau. Non, il m'a l'air bien. Et ça, c'est des poissons qui se décrochent. Hein. Allez. Ouais, il s'est repiqué sur le côté ou enroulé, je sais pas. Les chandelles qu'il m'a fait. Ah, c'est qu'il s'est entouré autour de mon montage que je couperai bien sûr derrière. Allez, ça arrive, c'est là. Il tourne autour du bateau, je veux pas. Non, non. Voilà. Je le maîtrise direct. Regardez. Regardez le monstre. Il est là. Je vais le... Oh, il est magnifique. Non, pas le bateau. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Surtout pas que ça touche. Surtout pas. Je vais le choper par la queue et le foutre dans le bateau. Oh, les couleurs qu'il a. Je pense pas que ça craigne trop, évidemment il y a le rostre, hein, faut faire attention. Regardez. Ouais, il s'est repiqué légèrement sur le dos. Allez. Je sais pas comment faire. Je vais sortir des conneries. Ouais, là, je peux pas l'attraper. Pas eu le temps de mettre le gant dans la précipitation, on y est presque, faut pas que ça casse. Je le chope par la queue. J'y suis. J'ai ouvert le frein. Allez. Oh punaise, il est bon. Voilà, c'est là qu'il faut pas que je me blesse. Alors, on va faire ça propre. Ok, un là. Oh, regardez, il y a ces poissons pilotes en dessous, on dirait. Enfin, c'est Rémora. Là, je vais prendre la pince. Qui l'ont suivi jusque dans l'eau. Ici. On va remettre à l'eau celui-là. Allez. Va attendre. Papa dans l'eau. Impeccable, c'est que les simples. J'ai rien touché. Rien touché qui craint.
Voilà. Allez. Allez, j'attrape la caméra d'une main, je m'oxygène un peu. Allez, hop, repart. C'est reparti. Je vais simplement jeter à l'eau, hein, il est reparti. Le combat n'était pas très long, beaucoup moins long qu'un thon, c'est très très agréable. Et je voulais vous montrer, donc mon fluoro est nickel, il n'y a rien qui a frotté. Les hameçons des raglous sont bons et ça doit être là qu'il a pris. Regardez un des hameçons du triple. Il me l'a complètement, pas ouvert, mais fermé. Voilà. Ouf, ça donne chaud. Hein. Bon, j'ai remis la traîne en place. Hein. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, là, je reprends en direction le port. Hein. Au niveau de la zone où je tourne, vous voyez ici, on voit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la bathymétrie. Je suis entre 54 et 52, je suis à 6000 quoi. Je suis à 6000, je tourne sur la zone. Je mets la bathymétrie parce que vous savez, quand on avance, le sondeur il peut pas prendre la profondeur, on va trop vite. Alors que là sur les cartes, je vois bien quand je passe les lignes de fond. C'est ce qui me sert à connaître la profondeur pendant que je traîne. Ça reste très calme, hein. À part ce départ en traîne, j'ai rien revu depuis le thon sur chasse tout à l'heure. Rien. Et je suis à peu près sûr que je ne vais pas avoir la moindre activité d'où je suis là, de 6000 jusqu'au port. On verra. J'espère que vous avez vu quand même la relâche de l'espadon, du lancier, parce que j'avais défait la caméra pour pouvoir me prendre en photo avec. J'ai essayé de la tenir à la main, j'ai filmé comme j'ai pu. J'espère au moins qu'on voit le moment où je le lâche, voilà, pour que vous voyez qu'il est bien reparti. De toute façon, c'est toujours pareil. Moi, le poisson, qu'est-ce que vous voulez que je garde sur le bateau à ces températures? On s'en rend pas compte, mais je ruisselle. Je ruisselle complètement tellement j'ai chaud. Il doit faire 36 degrés à l'ombre sur Terre. Et là, en fait, le truc, c'est que c'est un petit vent du sud qu'on a très léger, 5-10 km/h, mais je l'ai dans le dos, ce qui l'annule complètement en avançant. Donc, c'est étouffant. Je garde pas 3, 4, 5 heures un poisson dans ces conditions sur le bateau. C'est pas la peine. J'ai pas de glacière, j'ai rien. Ça repart, bien entendu. Allez, je continue, puis on se retrouve au port, s'il n'y a rien de plus. Bon, comme j'avais dit, rien jusqu'au port, hein, ça y est, j'arrive, là je suis dans les 25 mètres. J'en étais sûr, il n'y a pas d'activité. On va quand même essayer de terminer la vidéo sur des jolies images. Ils y sont quasi tous les jours en ce moment. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est assez régulier de les croiser. Petite famille là qui va tranquillou en prenant son temps. Voilà, un petit spectacle. Elle est vraiment trop mignonne cette petite famille. Je suis à côté d'eux, hein, j'avance tranquillou. Ils savent qu'ils n'ont rien à craindre, je vais pas sur eux, je reste à côté. Regardez comme ils sont gros, je les vois moi sous le bateau, c'est énorme. Allez, direction le port, on les a assez embêtés. Bon, ça y est, on arrive au port. Allez, j'ai enlevé mon anti-UV là qui était vraiment dégoûtant avant. Et alors en plus, quand j'ai mis l'espadon contre moi, c'était encore pire. Lancier, hein, ça s'appelle un lancier, je dis espadon, mais c'est nos espadons à nous, à rostre court, c'est-à-dire que c'est des lanciers. La journée était très compliquée, honnêtement, je suis sorti 6 heures. Je trouve une ou deux petites chasses de thon, comme vous avez vu, j'arrive à en piquer un avec sur ma canne light, pensant que c'était les bonites. Et donc déjà en plus je casse pas, donc très très bien. Après je fais cet espadon sur traîne. Voilà, on va dire que j'ai sauvé la pêche aujourd'hui, mais sur 6 heures j'ai eu deux opportunités et j'ai fait deux fois du poisson. Donc je suis content, j'aurais pu passer encore à côté
d'une bredouille, en tout cas pour l'activité de surface, ça n'a pas démarré. Hein. C'est pas du tout ça. Des 6000 jusqu'au port, encore une fois, j'ai pas vu un oiseau, pas une gerbe, rien. Je suis passé pas loin des broumés, je l'ai regardé. Je me suis posé un peu, j'ai pas vu de gerbes autour d'eux. Normalement, ils arrivent à faire monter les bonites, les thons, enfin, ça chasse. Là, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je préfère vous le dire, que vous disiez pas, il y a du poisson, on va y aller demain. Voilà, ça se trouve, vous sortez demain, vous allez rien voir. C'est vraiment très compliqué, ça n'a pas démarré. De mon côté, là, je vais faire sûrement une petite pause et je reviendrai quand je reviens, bah, fin août. Donc je vais laisser tout ça, je l'espère, démarrer. Et après septembre, octobre, novembre, je serai là à fond. Et chaque belle journée, ou en tout cas il y aura de l'activité, je serai sur l'eau. On fera les sorties abonnées. J'ai pas encore fait le tirage au sort, j'ai un petit problème technique. Il y a eu 530 inscriptions, je crois, 520, 530. J'ai absolument tout, hein. Il n'y a pas à le refaire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bon, et bien sur ce, je vous dis à la prochaine.